I am very, very excited to be here. When Philip asked me to come to Réunion, I had to look on a map of the world to find it. I had never heard of I'd have heard of it, but I didn't know where it was. I had to look on a map. I explained it to my children, if you have a globe and you found my city on the west coast of Canada and you put a long arrow through the globe, it comes out the other side in Réunion. So I'm exactly on the other side of the world. Monsieur Castel, je vais parler sous votre contrôle. Je n'ai pas eu trop de misère à vous comprendre, mais j'ai un peu plus de misère à comprendre ce qu'a dit Agnès. Alors, on va essayer d'avancer. Donc, vous avez dû rechercher la Réunion sur la carte et l'expliquer à vos enfants. Elle se trouve à l'opposé exactement du globe par rapport à votre ville. Vous êtes l'auteur de 3 livres sur l'industrie pharmaceutique et vous avez remercié l'Union des pharmaciens, puisqu'il est assez original que des pharmaciens vous fassent venir pour parler de quelque chose qui ne va pas forcément dans le sens de leurs intérêts. Donc, c'est un sujet que vous abordez qui a une signification mondiale. Vous avez déclaré l'absence de conflit d'intérêts. Vous êtes totalement indépendant. Votre salaire vient de votre statut de journaliste et de l'université. Vous avez commencé par parler du dépistage des maladies en citant le président de l'industrie pharmaceutique, de la compagnie pharmaceutique Merck en 76, dont le rêve était de créer des maladies pour des personnes saines. Et donc dans vos livres, vous pensez que l'influence de l'industrie pharmaceutique peut être scandaleuse parce qu'elle est à même de corrompre les médecins et la façon des médecins de connaître, donc d'aborder les maladies et les prescriptions. Alors comment crée-t-on une maladie? D'abord, on va produire des études pour montrer que avec beaucoup de statistiques. Et ensuite, on va évidemment essayer de modifier notre façon de penser. On va générer une certaine peur en soulignant que plusieurs millions de malades sont susceptibles d'être malades ou de le devenir. Et alors, heureusement, on sort un médicament qui répond à cette angoisse que l'on a générée. Vous citez plusieurs exemples, dont l'insuffisance de testostérone. Et vous dites que, par exemple, au Canada, il y a des publicités dans les journaux, publicités ouvertes aux hommes. Et chaque fois qu'on répond oui, eh bien, on peut penser qu'on a une insuffisance à testostérone. Alors que, hormis Philippe de Chazourne et moi-même ici, nous n'avons jamais l'occasion de répondre oui à ces questions, puisque nous sommes toujours à fond dans la testostérone. Mais ce que vous dites, c'est qu'il est normal qu'un homme ait quelques pannes, et que c'est pas pour ça qu'on en fait une maladie et qu'on doit le traiter. Vous citez également l'exemple du Prozac, qui est un antidépresseur qui est arrivé en fin de commercialisation de monopole par le laboratoire, qui a connu une deuxième vie pour un syndrome prémenstruel, en changeant simplement la couleur de la pilule. Il est normal que des femmes aient des syndromes prémenstruels. Bon, ouais, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est acceptable? En tout cas, ça ne justifiait certainement pas un médicament pour en venir à bout. Une autre maladie qui a été créée, c'est le syndrome qui rejoint donc hypoactivité sexuelle. Donc ça concerne les femmes. Vous voyez, les choses sont bien partagées entre les hommes et les femmes. Et donc ces femmes ont été incitées à porter des patchs de testostérone, qui est une hormone. Cette hormone n'a jamais été approuvée, même aux États-Unis, qui est quand même assez permissive. Et par contre, on connaît bien les effets secondaires, en particulier cardiovasculaires et cancérigènes, de la testostérone. Donc pour un trouble qui n'en est pas un, on exposait les patients à des effets secondaires beaucoup plus sérieux. La ménopause est un phénomène naturel, mais certains ont parlé de déficit en œstrogène, en ont fait une maladie, et donc il y a eu tout un remplacement, substitution hormonale pour la ménopause, qui a été donc arrêtée, en tout cas en France, il y a quelques années. Vous avez évoqué des espaces publicitaires qui sont offerts dans des revues pour faire des publicités médicamenteuses par les compagnies, et vous avez évoqué également la DSM-5, qui est la classification des maladies, qui fait apparaître de nouvelles maladies, comme la prédémence. Donc c'est une nouvelle catégorie qui peut s'appliquer à tout le monde. Nous ne sommes pas encore tous déments dans la pièce, mais on pourrait le devenir. Donc nous sommes en état de prédémence, et donc pourquoi ne pas se soigner pour ne pas devenir dément? Vous avez parlé de la cyberchondrie, qui est une maladie, donc cyber, l'informatique, et chondrie, devenir malade, chondrose. C'est en fait la recherche maladive des symptômes et des signes des maladies sur Internet. Et dans un sixième des cas de patients porteurs de cancer, eh bien, va se rajouter une autre maladie, qui est une maladie un peu psychique ou psychiatrique à cause d'Internet. Vous avez parlé des syndromes de préhypertension artérielle, de prédiabète et de pré-cholestérol élevé.
Vous avez également signalé que les USA, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande autorisent la publicité directe des maladies dans les médias, pas le Canada, mais que vous êtes quand même inondé par les chaînes transfrontalières et qu'au Canada, par contre, on fait de la publicité sur les maladies avec des publicités agressives. Vous avez montré deux pieds donc, d'un patient avec une étiquette dans une morgue et donc il y avait le choix entre mourir, la morgue, et le soigner son cholestérol. Vous avez parlé de Champix, qui est un produit qui est utilisé aussi pour le sevrage du tabagisme, qui a des effets psychiatriques et cardiovasculaires, qui fait l'objet de publicités au Canada. Il y a des publicités également qui incitent sur les arrêts de bus par une pilule bleue à aller voir les patients pour avoir du Viagra. Vous avez parlé des catastrophes sanitaires qu'ont également occasionné le Célébrex et le Vioxx, qui étaient des anti-douleurs, des anti-inflammatoires, et qui ont quand même tué pas mal de monde. Et vous avez parlé également de pré-dépression. On n'est pas déprimé, mais on pourrait le devenir, et donc il faut se traiter. Vous avez ensuite abordé les délégués médicaux. Sont-ils pour la promotion de la santé ou sont-ils pour la promotion des médicaments ? Est-ce que les pharmaciens, donc les industries pharmaceutiques, sont les mieux placés pour donner l'information sur les médicaments aux prescripteurs ? Et vous dites que non, puisque l'information est biaisée du fait qu'ils sont juges et parties, que leur intérêt est évidemment un intérêt de vendre leurs produits et d'en faire la promotion. Il y a eu des recherches sur ce sujet et il est montré que, par exemple, je crois que c'est au Canada, mais on n'est pas cité le pays, il y a 40 000 dollars par médecin et par an qui sont dépensés, alors je ne sais pas si c'est aux États-Unis ou au Canada, pour la promotion des médicaments. Et cette étude reconnaît également que les médecins ne reconnaissent pas que leurs décisions sont influencées par l'industrie pharmaceutique. Vous soulignez également qu'il y a des liens entre les petits cadeaux, les petits stylos, autre chose, ou les gros cadeaux, voyages reçus par les médecins et leur prescription de ces médicaments du laboratoire qui leur donne des cadeaux. Vous faites état d'une étude dans trois pays, la France, le Canada et les États-Unis. Pour la France, c'était Toulouse, où la plupart des médicaments. Cette étude montre que la plupart des médicaments dont la promotion a été faite par l'industrie pharmaceutique sont ceux qui ont les plus grands effets secondaires, donc qui sont potentiellement les plus dangereux s'ils sont mal utilisés ou mal surveillés, et que dans 50% des cas, la visite médicale ne mentionne pas les dangers des médicaments, et que dans 5% des cas du temps, 5% du temps maximum de la visite médicale est passé à expliquer les effets secondaires des médicaments. Vous avez parlé de Sunshine Act à la française, qui est une obligation de déclarer ce que reçoivent les médecins de l'industrie. C'est quelque chose qui est sorti il y a quelques jours. Mais le gros problème en France, c'est que les leaders d'opinion, c'est-à-dire les médecins, les universitaires en particulier, n'ont pas à déclarer ce qu'ils reçoivent des laboratoires. Donc c'est quand même une lacune et certainement une reculade importante après tout ce qu'on a connu, en particulier au sujet du Mediator. Puis vous avez présenté une image avec des repas, un repas avec les cochons, avec les lézards étant en industrie pharmaceutique, les cochons, les médecins, et c'est une allusion à la terminologie anglaise guinea pig, qui serait chez nous, pas cochon d'Inde, mais le cobaye en fait, hein, le cobaye qui serait donc le patient. Vous avez parlé de détection du cancer. La détection à outrance du cancer du sein, de la prostate, peut trouver donc dépister des signes non pathologiques, une élévation isolée des PSA, des calcifications qui pour autant n'en sont pas des maladies, mais qui donnent lieu à des biopsies et donc à des dégâts, certainement à des diagnostics, oui, mais aussi à des excès de diagnostics, de choses qui ne sont pas pathologiques. Et vous soulignez que plus de 2 millions d'Américains ont été traités inutilement pour un cancer de la prostate et que chaque année, 1 million d'Américains subit ou bénéficient, comme l'on veut, d'une biopsie prostatique et avec comme résultat 5% d'infection à la suite de ces actes qui sont agressifs. Existe-t-il des antidotes à cette fabrication de maladies par l'industrie pharmaceutique ? Oui, par des groupes indépendants à travers le monde, donc chez vous, au Canada, en Australie, MedOcean ici, et aussi une bonne façon de se prémunir serait de rester sceptique et de remettre en doute pas mal de choses. Et vous citez également le fait que les revues certaines revues médicales ne sont pas financées par l'industrie pharmaceutique et donc peuvent donner des informations objectives, et c'est le cas de Prescrire en France, dont le rédacteur en chef était venu ici nous voir au mois de décembre. Votre livre a été traduit en 14 langues, il a donc une certaine répercussion dans le monde. Vous avez cité Mark Twain, qui est donc un écrivain anglais du 19e siècle, américain du 19e siècle, et qui était très, très en retrait par rapport à la médecine de l'époque, et qui a dit « Attention à la lecture de livres de médecine, vous pourriez mourir d'une erreur d'imprimerie, d'impression ».
Et puis c'est à peu près tout. Agnès Vitry a parlé à peu près des mêmes choses. Elle s'est posé la question en particulier de savoir si les industries pharmaceutiques étaient plus à même d'influencer les associations de patients, de consommateurs, que les médecins. Et elle a dit qu'effectivement, avec Internet, les patients avaient accès à des informations, qu'ils pouvaient, si j'ai bien compris, s'établir un meilleur dialogue entre le patient, les associations de consommateurs et puis les médecins. Parce que cette thématique proposée par les organisateurs de cette journée de recherche s'inscrit dans le cadre des réflexions des Nations Unies, dont une des missions premières au niveau de l'UNESCO est de promouvoir la science, l'éducation et la culture. Or, la médecine, discipline scientifique, dont la finalité est le bien-être physique et mental des hommes face à la maladie, est une des priorités des Nations Unies pour lesquelles la santé est un droit pour tous. Alors, la Haute Autorité de Santé, on a parlé du professeur Arousseau, président de la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé, c'est quoi? Ben, écoutez, ce n'est plus et moins l'organisme donne des bons points aux établissements de santé. Il y en a qui ont 0, il y en a qui ont 20, il y en a qui ont 10, peut mieux faire, etc. Tout ça pour la qualité des soins et une amélioration de nos pratiques. Merci, monsieur Arousseau. D'autant que monsieur Arousseau, depuis le début, et j'ai un mail qui m'a énormément surpris le 2 janvier, j'étais en vacances, puis je reçois un mail, je ne savais même pas que je vous avais écrit d'ailleurs, et puis qui me dit, bah, du coup, je profite de la période des fêtes pour au moins remettre à jour tous mes mails, je m'aperçois ainsi que je n'ai pas répondu, etc. J'ai bien noté que vous ne financerez pas ma venue, mais vous m'avez tout de suite dit oui, je viendrai. Et je vous remercie, parce qu'évidemment, à partir du moment où vous êtes là, il y a un petit noyau dur qui a gravité, et vous êtes un peu l'attraction de la journée. Je vous en remercie, il est arrivé hier, alors pas pour des vacances, il est arrivé hier matin, il repart ce soir, vous voyez, c'est vraiment un aller-retour, juste pour nous, enfin pas pour nous, pour vous, et vraiment, encore merci. La revue Prescrire, que tout le monde connaît, qui est très médiatique, notamment avec toutes les histoires de médiateurs, etc., avec son rédacteur en chef, Bruno Toussaint, pareil, est arrivé hier par dimanche. Enfin, c'est des gens absolument incroyables, on se demande pourquoi ils sont venus. Le Forum Indep, qui est une association, toute petite association, mais qui fait beaucoup de bruit, qui est un petit peu l'opposé, enfin, pas l'opposé, mais un peu qui apporte sans arrêt la contradiction constructive et argumentée face à des autorités sanitaires qui parfois ne sont pas forcément à l'aise sur certains thèmes, et M. Arousseau nous expliquera pourquoi. Bien sûr que le diabète de type 2, c'est une vraie maladie, mais qui définit les objectifs thérapeutiques, qui définit les critères diagnostiques? Si on vient aux objectifs thérapeutiques, on nous a dit que l'hémoglobine glycée, il faut la faire baisser le plus bas possible. Ah bah puis on voit que quand on descend en dessous de 7% d'hémoglobine glycée, la mortalité augmente. La mortalité augmente. Les gens, ils sont plus diabétiques, ils sont pas trop sucrés, mais ils sont morts, non d'une pipe. On ne va pas accepter ça. Bien. Donc, il y a des vraies maladies, mais attention à l'exagération. Madame, excusez-moi, je comprends parfaitement que vous ne puissiez pas l'admettre. D'ailleurs, je vais vous l'envoyer par courtoisie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'en tant qu'expert à vie juive, vous ne connaissiez pas ces résultats. Mais si on les connaissait, en fait. Mais si vous les connaissez, pourquoi vous me posez la question? Non, c'est facile de polémiquer. Vous les connaissez, vous êtes seul à vous l'aider à refaire les études. Vous m'envoyez, on en discute. Ça n'a pas d'importance. Moi, je sais que 16 et. Attendez. Je sais quand même qu'on peut dire que sur 16 et 18, la vaccination a démontré l'efficacité. Alors, vous me cherchez. Vous me dites. Ok. C'est à voir si ces deux petites diapos avec tout virus confondu est vraiment vrai et si elle va ressortir encore plus longtemps. C'est tout. Ça, si vous avez ça, c'est bon. Bon, voilà. Bonjour Jean-Pierre Spinoza. L'argumentaire, on n'a rien inventé, c'est pas moi, c'est pas Joël Pellerin, c'est pas Spinoza, c'est pas Catherine Riva. L'argumentaire, c'est clair, noir sur blanc, la FDA américaine, c'est tout, il n'y a pas d'autres études. Et puis depuis, on fait croire qu'il y a eu d'autres études. Et cette erreur originelle, grâce à Catherine Riva qui fait des travaux d'enquête assez remarquables, excusez-moi, on a compris d'où elle vient. Elle vient de la FDA, qui au départ avait accepté comme critère définitif la diminution totale de nombre de cancers du col, et comme critère intermédiaire, pour expliquer cette diminution totale, la diminution des lésions dues au 16 et au 18. Et puis par un tour de passe-passe, à un moment donné, le critère principal a été changé, et on a admis comme critère principal uniquement la diminution du nombre de lésions dues au 16 et au 18. Et cette erreur originelle, elle a des conséquences. Elle a des conséquences, et surtout, elle pose un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est de comprendre
comment est-ce que, dans des agences de régulation aussi bien organisées, aussi importantes que la FDA, on peut, je vais dire, se tromper autant quant à la détermination des critères de jugement. Les agences européennes, les agences des autres pays, ont repris pratiquement telle quelle cette erreur originelle et l'analyse de la FDA, sans se poser de nouvelles questions, et ont donc entériné ce que la FDA avait dit. Était responsable d'au moins 1800 morts, comme pour les accidents de la route, de beaucoup plus de blessés, et sans prendre en compte, là il ne s'agit que de la mortalité par atteinte des valves cardiaques, valvulopathie, donc sans prendre en compte d'autres facteurs de mortalité sur une maladie beaucoup plus rare qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc on est certainement en France seulement au-delà de 2000 morts, donc de personnes empoisonnées. Tu as 5 sages. Madame Aude Emmanuel Waraud, qui est philosophe, Madame la vice-procureure adjointe, non, que vice ou jointe, enfin, procureure adjointe de la République, Daniel Brault, Monsieur Jean Paramé, qui est, Jacques, pardon, qui est président de l'association d'un réseau Dreyuker pour les malades cardiovasculaires à haut risque, très important à La Réunion, hypertension et diabète, Monsieur Jean-Louis, Gironès, qui est secrétaire général de Espace Éthique, et Monsieur Jean-Pierre Lajoie, qui représente UFC Que Choisir. Vie, on m'a pris pour un fainéant. Maintenant, on sait que j'étais malade. En fait, énormément de gens pensent être paresseux alors qu'ils souffrent comme moi d'un syndrome de déficit motivationnel. And what do you know about it, and what is the mobilization around having more independence there? The DSM-5, as you know, is being produced. And there are very good studies that have looked at the number of people on those working groups of the DSM-5 who have connections to pharmaceutical companies. And there are still something like 50 or 60% of the people on those panels have financial relationships, direct financial relationships, with the drug companies who are making pharmaceuticals for those therapeutic areas. Est-ce que le fait d'avoir de nombreux liens les additionne? Est-ce que les liens multiples font que l'on devient indépendant? On entend parfois ça dans la bouche de certains experts qui disent oh ben moi je travaille avec tous les laboratoires, donc finalement je suis indépendant. Bon, c'est complètement faux, bien sûr. Les liens d'intérêt ne s'annulent pas entre eux, ils s'additionnent. Plus on a de liens, plus on a de chances d'être influencé, et c'est une aberration de penser que ces liens puissent s'annuler. C'est comme quelqu'un qui serait corrompu de façon massive et qui dirait, bah, du coup, je ne suis pas corrompu puisque je suis corrompu par tout le monde. Ça n'a strictement aucun sens. La firme pharmaceutique, elle est dans un environnement concurrentiel, dans une économie libérale. Il y a des actionnaires à rémunérer, il y a des salaires à verser, il y a des parts de marché à conquérir ou à conserver. Alors, il faut utiliser toutes les ficelles du métier. Être de désir, ça veut dire quoi? C'est un être poreux. Un être poreux qui a besoin qu'on le comble de nouveautés, d'idées. Et la question qu'on peut se poser est si le patient, aujourd'hui, exigeait tout de son médecin, tout et son contraire, c'est-à-dire l'impossible. Ainsi, le patient, bah, quand il va chez le médecin, il exige à la fois le cure, c'est-à-dire que le médecin le soigne de manière objective, de manière réussie, et le care, c'est-à-dire que le médecin l'écoute, qu'il comble ses attentes, qu'il soit là, présent, qu'il l'emporte, qu'il le fasse rêver un petit peu, d'une certaine manière, le rêve de l'éternité à portée de main. Et que quelles que soient les sociétés dans lesquelles on se trouve, quel que soit le tradit praticien ou le praticien de médecine biomédicale, oui, j'emploie le tradit praticien, auquel on se réfère, il va y avoir une prescription. Bon, maintenant, il faut savoir ce qu'on entend par médicament. La question, elle est là, en fait. Le fond de la question, elle est là. Qu'est-ce qu'on entend par médicament? Qu'est-ce qu'on entend finalement par le fait de soigner un patient? Je suis très fière d'être là aujourd'hui parce que je me dis, en fin de compte, à l'indépendance, ils y réfléchissent et ils y consacrent une matinée qui est une matinée de week-end pour pouvoir en parler. La commande de Philippe pour aujourd'hui, c'était le pharmacien coacteur responsable de la dispensation des médicaments de prescription médicale. La confiance ne se secrète pas et qu'elle se mérite.
sur tous les points que j'ai cités, que ce soit le générique, la liberté de prescription, l'AMM, l'Internet, coordination des soins et échanges, droits des patients, conflits d'intérêts, formation continue, la responsabilisation de chaque acteur est indispensable. L'ordre, qu'est-ce qu'il vient faire ici ? L'ordre, mais à quoi ça sert ? Pourquoi l'ordre ? Pourquoi ? Parce que je suis président du conseil de l'ordre départemental depuis peu de temps. Une fin de carrière intéressante. Et puis mon ami Philippe de Chazourne m'a dit, venez un petit peu vous expliquer sur la décision médicale indépendante. Il se trouve qu'on a fait un rapport au Conseil national de l'ordre il y a quelques 2-3 ans sur l'indépendance de la décision médicale. Donc c'était tout venu. Je vais rien vous apprendre, hein, mais le commentaire que j'ai marqué, je suis anarchiste au point de toujours traverser dans les clous afin de n'avoir pas à discuter avec la maréchaussée, je ne vous chanterai pas, c'est de Georges Brassens, ça m'a inspiré. Alors, voilà le message de l'ordre, cet ordre ringard, cet ordre qu'il faut supprimer. Je vous signale que c'est un organisme de droit privé, indépendant, qui ne reçoit aucune subvention, pharmaceutique bien sûr, mais même gouvernementale. Il vit des malheureuses cotisations que l'on exige des gens qui doivent être inscrits à l'ordre pour exercer la médecine. Et il a comme but, comme mission de service public, de faire appliquer le code de déontologie qui est maintenant inscrit au code de la santé publique. Ce sont des articles du code de la santé publique. Il est chargé de faire appliquer tout ce qui est du domaine de la déontologie, le respect des règles éthiques de la profession. Effectivement, l'Agence régionale de santé n'est pas du tout indépendante, contrairement à la Haute Autorité en santé, puisque moi je suis nommée en Conseil des ministres, donc c'est tout dire sur les liens que j'ai avec un gouvernement. Et il est clair que je ne vais pas essayer de dire le contraire, parce que vous ne croiriez pas et vous auriez raison. Donc c'est sûr que si le ministre de la Santé nous dit « il faut vacciner tout le monde contre la grippe H1N1 », moi je peux difficilement dire « écoutez, j'en ai rien à fiche de la vaccination, on ne fait pas ». Vous voyez, donc c'est vrai qu'on est dans cette position d'appliquer en région des décisions nationales. Pour autant, on a le droit, et on l'exerce évidemment complètement ce droit-là, on a le droit j'ai envie de dire, on a le devoir, c'est comme ça que je le vois, de faire remonter notre perception des choses, notamment du point de vue d'une région. Alors, sachez aussi que grâce au texte, qui est peut-être insuffisant, mais quand même de décembre de l'année dernière sur les agences sanitaires, nous sommes maintenant, nous, agences régionales de santé, soumis à déclaration publique d'intérêt. Contrairement d'ailleurs au service du ministère, donc c'est un peu paradoxal puisque nous on déclare, mais bon, c'est très bien, je pense que quelque part on donne l'exemple. Les valeurs, c'est la transparence. C'est une valeur, mais c'est une obligation. Et transparence, ça signifie que nous rendons accessibles tous les documents qui nous ont permis de prendre des décisions. Et on peut détailler tout le processus d'instruction qui a poussé à des décisions. La deuxième valeur aussi, mais qui va avec la transparence, c'est que participe à la décision, elle est assumée par nous, mais participe à la décision des nouveaux acteurs. D'abord, il y en a qui ont disparu. Il n'y a évidemment pas les acteurs qu'on régule. Il n'y a plus l'industrie pharmaceutique. Et puis, il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent, qui sont les prescripteurs, qui siègent, prescripteurs experts, mais aussi normaux, naïfs, des médecins généralistes, des pharmaciens qui distribuent les médicaments, donc des gens comme vous et comme moi, qui ont envie d'avoir des biens de santé. Et ils participent au processus de décision. Mais surtout, il y a des patients et des représentants de patients. Je suis membre d'une organisation de consommateurs en Australie et j'ai beaucoup appris la perspective des consommateurs et ça a changé beaucoup de choses à ma vie et qui est très fière d'être indépendante des professionnels de santé, des industriels, des pouvoirs publics. And so it can be very difficult to find somebody who does not have a relationship with the pharmaceutical industry. So we deal with it by being transparent, by making it very clear and always trying to get, I guess, points of view from people who do not have relationships with the pharmaceutical industry where we can. Okay. Donc le NPS essaye de faire de son mieux et de savoir avoir une politique de transparence au niveau des conflits d'intérêts, des experts à qui il demande de relire ses matériels et d'essayer de privilégier au maximum donc l'application des experts qui n'ont pas de conflit d'intérêt dans le matériel qui est développé. Point sur lequel je voudrais insister, j'ai bien compris ce qu'a dit Dominique Dupagne. Moi je pensais qu'on pouvait avoir des liens avec l'industrie pharmaceutique et garder son objectivité. Sincèrement je le pensais. Et beaucoup de médecins experts le pensent.
Or, il le dit, et il a peut-être raison. L'EM accepterait, et donc, ça ne me surprend pas totalement, mais je trouve que c'est décevant, parce que effectivement, on a toujours intérêt à venir expliquer. Quand on ne vient pas s'expliquer, ça veut dire qu'on a des choses à cacher, peut-être. Voilà, c'est ce que je vous ai répondu, c'est que moi j'étais certain qu'il ne viendrait pas. Évidemment, ce n'est pas un péché ni une faute de travailler pour l'industrie. C'est même tout à fait respectable et honorable. Et donc, il n'y a pas de personne pourrie, ou alors il y en a toujours, mais c'est de façon exceptionnelle. Il y en a. Non, mais pas plus qu'ailleurs. C'est évident. Simplement, le seul problème, c'est le conflit d'intérêts et la confusion d'intérêts. Un bon expert qui a travaillé pour l'industrie n'est pas obligatoirement un bon expert en santé publique. C'est pas le même métier, tout simplement. Et quand vous avez du mal à trouver des experts dits indépendants, effectivement, d'abord, vous avez des difficultés parce que vous les avez jamais cherchés avant, et donc quand on a du mal à trouver ce qu'on n'a pas cherché, donc il faut un petit peu de temps. Ça. Et puis peut-être qu'effectivement, il y en a pas beaucoup. Et parce que ce n'est pas obligatoirement les mêmes qui sont pertinents pour donner des conseillers à l'industrie sur des développements de médicaments et ceux qui sont capables de conseiller la HAS ou la société dans le cadre de l'intérêt général des patients. Et c'est vraiment aussi donc notre demande au Pharmadep, à travers les rapports après médiateurs, de créer une expertise européenne indépendante et où on entendrait les experts de l'industrie comme les autres experts, un peu comme le fait prescrire quand ils vous consultent ou qu'ils consultent d'autres, mais ce n'est pas eux qui décident. Voilà la différence, c'est ça qui est important. Nous avions un atelier axé sur le disease monitoring, c'est-à-dire le façonnage des maladies, un atelier axé sur les problèmes de dépistage des cancers, particulièrement dépistage du cancer de la prostate et dépistage organisé du cancer du sein. Nous avons un atelier sur l'efficience des médicaments et des traitements, et enfin un atelier sur les médicaments indispensables. On fait un travail avec les médecins de santé publique de l'université de Paris 13, Bobigny, sur médicalisation, sur diagnostic, sur traitement. Donc on est aussi dans le cœur des débats qu'on a là, et on n'a pas fini de parler de ces questions, avec les grandes difficultés que ça entraînera. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va dire dans les années à venir à toutes ces patientes à qui on a dit allez faire des mammographies et à qui aujourd'hui on va dire surtout n'allez plus faire de mammographie, ou je vous ai fait faire des mammographies et on dit qu'il ne faut plus en faire. Quelle posture on va prendre, nous, professionnels de santé, tous les professionnels de santé qui sont là, et les patients qui sont ceux qui sont plus éclairés, comment ils vont parler je m'excuse pour le mot éclairé, à leur entourage, comment on va faire avec ces questions? Si on ne les débat pas, on va être extrêmement mal tous pour avancer dans nos questionnements. Donc grande nécessité de cette journée, merci. On commence même à utiliser, en plus de ça, le terme d'action, patient qui agit, du fait de l'évolution des patients, se renseigner par eux-mêmes et à poser de plus en plus de questions aux praticiens. Que l'Association française des diabétiques touche de l'industrie pharmaceutique un demi-million d'euros par an, ok, dont 100 000 par Lilly France. Ça, c'est une publication du Parisien du 12 octobre 2012. Toutes les associations qui ont pignon sur rue de patients sont financées par l'industrie pharmaceutique. Leur argument étant, évidemment, vous allez le voir, diapo suivante, vous aurez la réponse, je pense, cher ami, dans un instant. Leur argument, c'est non seulement ils ne s'en plaignent pas, je ne dirais pas qu'ils s'en vantent, parce qu'ils sont fiers d'agir, c'est-à-dire qu'ils sont fiers de faire des actions vers les patients. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas l'argent public, et qu'il faut bien qu'ils trouvent l'argent quelque part, et que les seuls à leur fournir l'argent de façon suffisante, 500 000 euros, ça fait quand même beaucoup, hein. Je ne sais pas ce qu'ils font aux diabétiques pour ce prix-là, mais ça fait quand même beaucoup, hein. Eh bien, cet argent-là, ils le trouvent avec l'industrie pharmaceutique. Et quand je vous dis que toutes les associations de patients sont mouillées, vous voyez les signataires au sein du CI2S, qui sont en bas de la page. Elles y sont quasiment toutes. D'aller voir ce qui se passait avec ces deux recommandations, deux parce qu'elles étaient emblématiques, celle sur l'Alzheimer et celle sur le diabète. Et donc ça a été au départ de demander à la Haute Autorité de Santé, qui à l'époque était présidée par le professeur de Gauche, de demander à ce que ces recommandations soient retirées, parce que au travers de ce qu'on avait fait la lecture, le Pharmadep, elles étaient biaisées par des conflits d'intérêts. Pourquoi
Cyril, avec cette volonté farouche de lutter contre les dérives qui, dans leur contexte ou de manière plus spécifique, qui ont pu produire des choses du type Mediator, pourquoi est-ce qu'il faut quand même que notre système de santé ait des relations avec l'industrie pharmaceutique? Pour une raison simple, qui est, là vous en serez tous convaincus, c'est qu'on a besoin de médicaments pour soigner les gens. Alors quand on fait ce constat-là, il y a plusieurs angles de réflexion qu'il faut mettre en œuvre, qui en fait doivent porter sur la chaîne du médicament dans son ensemble. Il faut que, mettons, une dizaine de personnes soient volontaires pour ramasser l'information, la synthétiser, la mettre en ligne, et que par exemple, tous les autres cotisent pour que ça paye les frais de ces 10 personnes qui vont faire le travail. Et puis ça peut tourner, on n'est pas obligé de faire... On n'est pas obligé de faire une structure qui est une structure lourde, administrative, comme une vraie revue. Ça peut être une association, ça peut être quelque chose dans lequel les bonnes volontés arrivent et puis prennent la place de ceux qui sont fatigués. L'idéal étant que l'état d'esprit soit le même pour tout le monde. Alors donc ça nécessite de faire une sorte de petite charte au départ de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Alors c'est pas tellement au professeur Arousseau que nous donnons ce cadeau. C'est au président de la Haute Autorité de Santé. Et d'ailleurs ce cadeau est destiné à la Haute Autorité de Santé. Voilà, donc vous pouvez aussi, on est bientôt en période de fête, vous pouvez donc je vous laisse ouvrir ce petit cadeau qui sont un petit peu symboliques. Ne vous battez pas, déjà on a cru que vous alliez vous paxer tout à l'heure. Voilà. C'est un petit peu pour que vous mettiez vos horloges au même rythme. Certains sont en avance, certains sont en retard. Mettez-vous à la même heure, qu'on dirait. De la Réunion, découvrez une île de voyage.